Il est là. Cheikh Kandé. Bon, le patron m'a dit d'attendre. Dafa am kuma né ma xal touti. Dama bëggono commencer. Xam nga man dama bëgg dama yibi ties. Man kaw kaw la ties la yibi. Donc man ma téla commencer moma arranger. Mais daf ma né xalal touti. Xam na dafa am ñu wara ñoo. May len ñu touti rek, hein? Mais texte liminaire, oui, mon si moi, je texte liminaire en français, suite, je vais apposer un texte Wolof, n'est-ce pas? Je lis le texte, l'entrée en matière, la suite, je le dis en Wolof. Je le considère comme ça. Pardon? Oui. C'est. C'est ça. D'accord. On va commencer.
personne d'autre pour introduire. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Je suis un peu de temps pour le moment où je vais couvrir la conférence de 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 donc il y a un problème. Peut-être nous, du moins, on a beau rôle dans les sociétés de la Yaka Sénégal, mais Sénégal, on ne peut pas. Tony Françoise, situation Sénégal, continue comme Sénégal, Tony, en situation Sénégal. Nous n'avons pas d'un jour où on va le conférence de la société. Les mots d'un démarrer en français, il y a des questions. Voilà, donc bonsoir mesdames et messieurs. Messieurs les journalistes présents dans la salle, les amis de CODAS. Donc, je voudrais aujourd'hui, à quelques jours du délibéré de l'affaire qui oppose Ousmane Sonko à la jeune Hady Rabissar, venir au nom de CODAS et au nom des femmes sénégalaises éprises de justice et de liberté. Vous apportez notre contribution pour une meilleure lecture des faits qui se sont déroulés depuis février 2021 parce qu'il y a des acteurs nouveaux qui ont fait irruption dans la scène disons politique sénégalaise, des personnalités étrangères qui ont été manipulées et qui ont été nourries par la force, ce que j'appellerais la force de frappe du mensonge du camp de Ousmane Sonko, parce que nous avons des échos au niveau des États-Unis. Nous avons vu des journalistes
interviewé des éléments de Ousmane Sonko et rapporté des propos complètement déformés de la réalité. Donc il y a un prisme qui a été déformé des faits qui se sont déroulés au Sénégal, et ces faits-là sont transmis à l'opinion internationale de manière complètement biaisée. Et puisque nous avons la possibilité de participer au maintien de l'équilibre de notre paix légendaire, au maintien de la vérité, à la manifestation de la vérité, nous nous prêtons à l'exercice de venir aujourd'hui, ayant été témoin oculaire au niveau de la salle, des débats qui ont eu devant le public entre les avocats, les juges, les principaux témoins et le procureur de la République, ainsi que Hadjira Abissar, la jeune victime, qui a pu, devant plus d'un millier de personnes, revenir sur les faits tels qu'elle les avait relatés auparavant dans les procès-verbaux, dès le début de l'affaire. Mais permettez-moi, avant cela, de faire un petit résumé au la genèse de cette affaire. La genèse de cette affaire naît de la grande vulnérabilité des jeunes filles issues des couches, c'est-à-dire des zones rurales, qui n'ont aucune possibilité, bien souvent, de se maintenir à l'école et qui sont obligées de migrer vers la capitale, les capitales sénégalaises régionales, plus principalement Dakar, pour monnayer leurs services en tant que femme de ménage. Et donc de cette grande vulnérabilité naît les sévices sexuels auxquels sont exposées celles qu'on appelle couramment Mbindam. Ces jeunes filles, souvent oubliées par la société sénégalaise, ces jeunes filles victimes des prédateurs sexuels à éjaculer, pensaient détruire Hadjira Abissar, mais elle venait d'apporter la preuve que bel et bien Ousmane Sonko, lors de son dernier passage à Sud-Beauté, a éjaculé après avoir eu un rapport sexuel avec Hadjira Abissar. Et il s'agit donc, le principal problème est que Hadjira Abissar